99.8 à Monaco et Menton. Énergie. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 9h01, vite le coq. J'ai une info de ouf. J'ai vraiment une info de dingue. Vas-y. Ouais. Bah, je vais vous la donner après les infos. C'est sur la raclette. Vous aimez la raclette? Je m'attendais pas du tout à ça. Non mais vous allez voir. C'est, tu te dis ouais, une info sur la raclette, ça va être une connerie et tout. Non, c'est une info de dingue sur la raclette, les amis. Ok. Vous aimez la raclette? Bah oui. Ouais. Ah bah vous allez être content de l'info que je vais vous donner. C'est juste après les infos. Ça c'est Mike Perry. C'est pas le dernier sur la raclette non plus. Ça arrive pour vous juste après les infos maintenant. L'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on va encore pas mal profiter du soleil jusqu'à la fin de la semaine. Il sera juste parfois un peu chahuté par des passages nuageux, voire un voile. Les températures vont rester vers 21 degrés au meilleur moment. On a une petite sensation de fraîcheur en mettant le nez dehors ce matin, avec 14 actuellement à Menton, 8 à Sospel. Et le week-end qui approche sera lui plutôt maussade. Alors d'ici qu'on sorte les parapluies, on se rappelle qu'on vient de passer un très agréable week-end de 4 jours à se poser en terrasse, à manger des glaces et autres délicieuses cochonneries. Mais si du côté de la petite restauration et des commerçants on a fait le plein, on a toujours un peu la tête des mauvais jours côté hôtelier. Depuis la rentrée, la fréquentation reste en baisse de 7-8% avec un chiffre d'affaires en recul de 20%. Après l'attentat de juillet sur la promenade des Anglianistes, les touristes ont encore un peu de mal à revenir. Bien loin des palaces azuréens, le plus grand bidonville de France a disparu, la jungle de Calais a été évacué la semaine dernière. Sur les 6000 migrants qui occupaient le site, 1500 mineurs isolés sont toujours hébergés sur place dans des conteneurs aménagés. Ils souhaitent en majorité aller en Angleterre, mais les autorités anglaises disent non pour l'instant. Ils seront donc transférés en bus aujourd'hui vers d'autres centres répartis un peu partout dans le pays. Alors que le trafic commence à se charger, et même déjà bien chargé parfois vers Monaco ce matin, ça risque de sérieusement se gâter aujourd'hui dans les plus grandes villes de France avec une manif des taxis et VTC. Les premiers contre le projet de loi examiné au Sénat ce mercredi, les autres pour. Le texte doit pourtant permettre de pacifier les rapports entre les chauffeurs. Un job au moins pour quelques semaines, à moins de 3 mois de la fête du citron. C'est dès aujourd'hui qu'il faut vous faire connaître pour postuler à un poste de caissier ou contrôleur notamment. Des CDD sont proposés pour le carnaval mentonnais. Présentez-vous dès aujourd'hui 14h au service de recrutement de l'office du tourisme, c'est 8 avenue Boyer. Le sport avec une bonne nouvelle pour le foot français. Paris a validé hier son billet pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Succès 2-1 à Bâle, synonyme de qualif à deux journées de la fin de la phase de poule. Pour Lyon, il va falloir réaliser un exploit ce soir à Turin contre la Juve pour continuer d'espérer. C'est plus abordable pour Monaco à domicile contre Moscou à 20h45 au Louis II. Du basket avec une nouvelle belle victoire pour la Roca Team hier soir au Danemark. Troisième journée de Champions League et la SM s'est imposée 57-94 sur Back and Beers. Les monégasques leaders de proie sont également en tête de leur poule européenne. Une sorte de consécration, Taylor Swift a droit à sa propre expo, Taylor Swift Experience, une rétrospective qui retrace le parcours de la chanteuse américaine. Elle a attiré beaucoup de monde à Los Angeles, elle s'installe maintenant à partir du 18 novembre à New York pour ceux qui auront peut-être la chance de voyager à Noël. Voilà pour votre actu, il est 9h05, bon courage à vous si vous êtes dans les bouchons, c'est Manu dans le 6-9 pour vous accompagner sur Énergie, bonne journée. Bienvenue à vous, c'est mercredi, nous sommes le 2 novembre 2016 et nous sommes de retour après une semaine de vacances et deux jours. Normalement on devait rentrer lundi, mais on ne rentre qu'aujourd'hui parce que j'ai été malade, c'est de ma faute. Voilà. Oui. Pendant deux jours, j'ai vu la lumière au bout du couloir ou au bout de la grotte ou au bout du tunnel. Ouais, du tunnel, c'est pareil. Chez moi j'ai une grande maison, on a l'impression que c'est un tunnel. des maux d'estomac, je vous assure, pendant deux jours, apparemment j'ai bouffé un truc qui n'était pas très frais. Et pendant deux jours, j'avais l'estomac, c'est comme si on le prenait, qu'on le... L'essorait comme un gant de toilette. Exactement. Ouais, je connais. Tu connais ça? Ouais, j'ai eu des grosses douleurs à l'estomac un jour et c'était exactement ça, comme si on essorait mon estomac au point que je me torde. Mais à un moment, je me suis dit, faut que j'appelle les pompiers, quoi. Ouais. Et finalement, t'as appelé quelqu'un quand même, un médecin? Non, finalement, je me suis dit, non, c'est pas grave, même si je dois y passer cette nuit, il y a des gens qui ont plus besoin que moi des pompiers. D'accord. Hein?
pour des chats dans les arbres, des trucs comme ça. Ouais. Et donc j'ai su tenir fort la nuit. Mais ça devait être douloureux, c'est vrai. Mais ma copine, et c'est vrai, elle s'est barrée du lit, elle était dormir dans le salon. Non, mais tu devais être très bruyant, je peux comprendre. Moi, elle s'est levée, elle me fait, écoute, je suis désolé, mais je peux pas. Oh, le soutien. Le soutien, non, mais elle en avait marre. C'est-à-dire que je dormais pas de la nuit parce que moi, je me réveillais toutes les. Je dormais par tranche de 5 minutes tellement j'avais mal. Mais oui, c'est quand t'es malade, ça c'est horrible. Tu crois que c'est la dernière. Tu t'endors pour de bon et tu ne t'endors jamais pour de bon. Ah non, pendant une nuit. Oh la vache. Et donc, du coup, elle a dormi dans le salon. Et vous savez quoi? Et c'est pas une vanne. C'est pas mal de dormir seul. Ouais. Non, mais attends, il y a plein de couples qui font chambre à part. Hein. Et bien justement, on a discuté après de cette histoire. Et elle connaît des gens parce qu'on a discuté, en fait, d'autres personnes qui dorment chambre à part. Mais alors, la seule question, parce que ces gens que je connais, ce sont mes parents, donc je ne peux pas leur poser la question, c'est sexuellement, comment tu fonctionnes quand tu fais chambre à part? Soit t'as une très longue bite. Mais t'as dit ce que tu viens de dire, vraiment. Soit tu fais pas souvent. D'accord. Je préfère la seconde version. Je réponds à ta question. Bon, Mike Perry arrive. The Ocean. Avant ça, je vous ai promis que j'avais une grosse info à vous donner. Alors, une info sur la raclette. Ouais. Qui aime la raclette ici, Oriane? Ah, c'est un de mes plats préférés. J'ai déjà programmé ma première raclette de l'année là. Glandu? J'ai déjà fait deux raclettes cette année. Nico? J'aime bien, c'est pas la folie mais j'aime bien. Ok, Blanche-Neige au standard, la raclette, comment t'es? Ah ouais, j'adore, j'en ai déjà fait trois. Cette année là? Ouais. Oh génial. Écoutez bien, pourquoi je dis génial? Selon une nouvelle étude française, vive les études françaises, il est possible de savoir si on est ou pas un bon coup selon le plat qu'on préfère. Ah. Et les meilleurs coups seraient les fans de raclette. Oh 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 oh. Les fans de raclette. Okay. Pourtant ça fait pas envie quoi la raclette. Mais c'est, peu importe. C'est pas sexuel quoi. Mais peu importe, c'est une étude française. Glandu. Bien sûr, ils sont dans le plaisir, ils sont dans le partage les fans de raclette. Et voilà. Ouais. Et en plus ça déculpabilise, c'est-à-dire qu'on peut prendre un peu des formes et être des super bons coups. Exactement. Ça a été fait par les fans de raclette ce truc. Oh, c'est obligé. T'es un gros jaloux monsieur Tartiflette. T'es même pas dans le classement. Non mais il y a autre chose quoi. Attends, c'est pas grave, tu viens de te marier, on le sait hein, quand on se marie, on fait plus l'amour, hein, c'est pas grave. Hein. Et les fans de raclette, on aime la chair, on aime la vie. Tu aimes quoi? Du bouillon? Du quinoa? Je sais pas. Non, Oriane, ce n'est pas parce qu'il est différent de nous qu'il faut le juger. Non, mais bon. Enfin, ça va, petit zizi? Super. Nous, on aime la raquette, nous, on aime beaucoup. Allez-y. Après, le truc, c'est dommage de pas en profiter, non? Enfin, je vous dis ça. Entre nous? Oui. Bah, on ne peut. C'est pas dommage, non? Ça va. Ah, bon, d'accord, très bien. On s'en remet très bien. Ok. Note à moi-même. Technique de la raclette ne marche pas. Mais c'est même pas une vraie étude. Si, c'est une vraie étude. Ouais. Si, non, pour le coup, c'est une vraie étude. Taré. Le mec, il invente des études juste pour dire riomèse. Non, c'était une vraie étude. Voici Mike Perry sur Énergie, c'est The Ocean. Et juste après, on va parler de soirées totalement nulles qu'on a vécues. J'ai un sondage là-dessus. Bon réveil sur Énergie.